Les lumières, une scène, des milliers de personnes et tous les fans voulant continuer de crier bis. Mon nom est Didier. Je suis un musicien qui joue de la guitare. Je voyage un peu partout et je fais des concerts. J'ai une base de fans solide et je prends plaisir à jouer pour ceux qui aiment la musique. C'est une belle journée, je suis à Londres, merveilleuse ville aux mille stars. Dans peu de temps, je vais jouer pas loin d'ici. Mon dernier spectacle a très bien marché et a rempli les salles. C'est pourquoi j'ai toujours du plaisir de jouer à Londres. C'est une ville qui soutient et apprécie la bonne musique. Les salles de concert et les stades ici sont spectaculaires. J'ai été dans la plupart d'entre eux. La foule, elle est incroyable et l'atmosphère est électrisante. En France, j'ai joué de la musique un peu partout et j'ai commencé à me faire un nom. Quand je suis arrivé à Londres, je l'ai vu comme une ville pleine de vie et ayant une grande appréciation de la musique. Ici, où que je joue, les fans sont fidèles et me montrent toujours leur soutien. Je suis en chemin pour le concert. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de divertissement et d'énergie ici. C'est pourquoi j'aime tant jouer à Londres. Il y a quelque chose d'électrisant dans l'air. En tant que musicien, je puise mon inspiration partout. J'aime prendre en photo les gens, les bâtiments, la nature. Je les regarde et je réfléchis à ce qu'ils représentent et comme je peux les incorporer de ma musique. Je vois cette fille chaque fois que je viens ici. Elle est là avec ce panneau. Et pendant longtemps, je n'ai pas su ce que ça disait, jusqu'à ce que quelqu'un me le traduise. C'est une belle femme, alors je comprends pas. Mais c'est ce que s'y rend cet endroit si unique. Eh bien, ça y est, j'y suis. C'est ici que je vais jouer. J'ai vendu tout ce que j'avais en France pour venir vivre ici et réussir en tant que musicien. Quand je suis arrivé, c'était très excitant et j'avais beaucoup d'espoir. Mais après les 6 premiers mois, quand rien ne se passait, mon argent commençait à diminuer, j'ai cherché un boulot. Il n'y avait rien de disponible. J'ai donc commencé à jouer dans la rue. Maintenant, je joue dans la rue depuis presque un an. Et bien que normalement je gagne assez d'argent pour le déjeuner, c'est pas encore assez pour survivre. Je crois en mon talent et je sais que je suis un bon musicien. C'est ma passion depuis que je suis petit. Avant de mourir, ma mère m'a dit de ne jamais renoncer à mes rêves. Et si je ne peux pas passer une journée sans penser à quelque chose, alors ça vaut la peine de se battre pour cela.
que dans le futur, avec de la patience et beaucoup de travail, vous pourrez réaliser vos rêves. Et avec un peu de chance, peut-être plus tôt que vous ne le pensez.